J'aime trop. J'ai quand même pas mal coupé, j'ai toujours ma longueur, mais j'ai bien coupé là. Sans trop toucher à la longueur, mais je voulais surtout un travail au niveau de la mèche de devant. Mais en fait, j'étais obligée de dégrader ici, comme vous pouvez voir. Parce que sinon, si j'avais coupé juste la mèche, bah, ça aurait tout de suite fait rideau et pas joli du tout, parce que bah, ma longueur, elle serait toujours là, mais avec deux rideaux. Donc ça aurait pas fait du tout joli. Mais là, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Ça change un petit peu, ça fait un peu plus de volume. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a quand même une petite masse de longueur qui a bougé. Enfin, je crois qu'il y a ça. Mais c'est pas grave, ça pousse et ça change. Bref, en attendant, d'ailleurs je vous ai même pas dit bonjour, désolée. En attendant, il est 13h et je dois aller récupérer ma mère parce que on a rendez-vous, enfin j'ai rendez-vous, mais elle m'accompagne parce que j'ai besoin de son avis à 15h. En même temps, je suis prête, je suis coiffée, douchée, pas maquillée, mais c'est pas grave. Donc je vais y aller, je vais la prendre et on y va directement, je pense. Non, quoique, non, ça va, je suis pas en retard en fait finalement. Bienvenue, je vous reprends avec ma maman. Ça fait longtemps aussi que vous l'avez pas vue. Ça va, t'aimes bien ma coupe? Oui. Ouais, ça va. Ma mère, à chaque fois que je vais chez le coiffeur, entre vous et moi, elle appréhende tellement quand je rentre. Parce qu'elle a pas envie que je coupe mes cheveux. Je te regardais par la rentrée de la porte quand tu y arrivais. C'est vrai. Ma soeur, en plus, elle m'a dit, fais une blague à maman. Tu fais genre, t'as tout coupé et tu filmes en direct. Et je me suis dit, non, non, je fais pas ces blagues-là. Ça la fait pas rire du tout. Mais ça va, j'ai pas énormément coupé. Juste un petit peu la longueur. Ouais. Ouais. Parce ça que va, là, ça on va le pousser. Voit plutôt là. Ah ouais, derrière, derrière ça ouais, se voit ouais, ouais. De derrière, parce que bah, de base ils arrivent vraiment en bas de mon dos. Ça fait du bien de prendre oui carrément coup. Carrément, mais ouais, je passerai jamais le cap, je pense, de couper mes cheveux genre au carré ou là, je pense pas pour le moment en tout cas. Bref, donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un rendez-vous, donc on va y aller et puis voilà, donc bah, c'est parti, on y va. Ah, elle fait que de se moquer de moi. Pourquoi? Jure. Parce qu'à chaque fois quand elle me dit quelque chose, je dis je te jure. Et donc à chaque fois elle me dit je te jure. Bref, là on va faire un petit tour à Auchan, on a fini le rendez-vous il y a un moment. Je suis contente parce que c'était sur Paris et ça fait je crois la troisième fois que je pars sur Paris toute seule, enfin sans Ayoub et sans quelqu'un d'autre qui conduit. Je vous reprends avec Ayoub. Entre temps, je me suis changée, je me suis mise en tenue confortable. Voilà, je voulais juste vous montrer parce que j'ai oublié le sac de chez moi. Tout à l'heure, je suis passée faire un petit tour là-bas. Attendez, je vais vous poser. Donc j'ai pris cette paire de lunettes. Ayoub, il trouve qu'elles sont trop grosses. Ma mère, elle m'a dit, mais t'en as pas déjà? Je lui ai dit, oui, mais j'aime bien. T'aimes pas? C'est vrai, ça peut. Bah justement, j'en voulais des grosses. Elles sont belles. Oui, bah ça change un peu et en fait j'aime bien le détail d'ici. Ouais, moi aussi j'aime bien. Il y avait aussi les mêmes en noir, ouais. Mais j'ai préféré celle-ci. Ouais, ça change. J'aime bien la couleur comme ça, écaillée marron. Et elles sont passées à 5€ au lieu de 9,99€. Ouais. Ouais, franchement ça allait. J'ai hésité à prendre les autres. C'est cadeau. Ouais. Et ensuite j'ai pris ce petit pompon voilà, à mettre sur les clés de ma voiture. Ok, ben quand je suis pas là. Pourquoi quand t'es pas là? Non mais je vais pas me balader avec un pompon comme ça avec ta clé. Mais c'est pas grave, non, les gens ils vont deviner que c'est peut-être pas à toi. Non mais je rigole, je le faisais déjà avec l'enfant. Bah oui, tu le faisais déjà. Après le volant, je l'ai mis. Hein. Ayoub n'aime pas le volant. C'est pas parce que ça fait fille, hein, c'est juste que bah, il aime pas du tout la matière du volant. Moi je déteste cette matière là. Ah oui, bien joué. Tu mets ça avec l'étiquette. Pour montrer qu'on l'a acheté. Le pompon était à combien? 7€. Ah oui, 7€ moins 50%. Ça fait 3,50€. 3,50€, ouais. Donc voilà ce que j'ai pris. Là on va partir manger chez les parents d'Ayoub. D'ailleurs,
On n'a pas fait un petit point sur ma petite coupe. Qu'est-ce que t'en penses? Non, elle est belle, elle te va bien. Ça me va bien? Ouais. Ça change un peu? Ouais, ça fait beau. Mais par contre, j'y ai beaucoup coupé, hein, comparé à d'habitude. Ouais. Hein. Vraiment, enfin, plus la journée passe et plus je regarde et plus je me dis, ah oui, mais quand même. Quand je t'ai vu, je me suis dit, ça me fait penser à la Imen d'avant avec les cheveux courts. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. La première chose qu'il m'a dit, waouh, j'ai l'impression que c'est toi avant. J'ai toujours eu les cheveux longs quand je t'ai connue. Non, quand je t'ai connue, j'avais des extensions. Elle a monté ça. Non, tu te rappelles ou pas? Ouais, je m'en souviens. Le premier jour où j'ai connu Ayou, j'avais des extensions et j'avais les cheveux à là à peu près et j'avais des très très longs extensions. Bref, donc t'aimes bien? Ouais, ça passe bien. Ça change un petit peu, ouais. Ma mère elle m'a dit t'inquiète. Ouais, voilà, c'est ça. Elle m'a dit t'inquiète, ça repousse. Mais c'est vrai que Imen sans cheveux longs, c'est pas Imen. Ouais. J'ai dit à Ayoub, je pourrais pas avoir les cheveux. Ils sont longs derrière. Là, ils sont courts. On a l'impression qu'ils sont courts devant. Oui, parce qu'en fait, c'est dégradé devant, comme je t'ai expliqué. Sinon, ça aurait pas fait du tout beau avec la mèche. Mais on voit pas très très bien en fait sur des couleurs. Enfin, sur une couleur. Noir, ouais. Parce que j'ai pas du tout une couleur noire, mais on voit pas très bien si j'avais des mèches ou j'étais un peu plus claire, on aurait vu un peu le dégradé. Mais je pense que ça va encore plus se voir quand j'aurai les cheveux bouclés. Ah ouais, je pense que ça va. Tout va remonter. Boum. Ouais. Ah, oh, j'appréhende un peu. Ah, oh, regarde, oh là là. On voit que j'ai coupé. Mais bon, c'est pas grave, ça leur fait du bien et j'aime bien me couper de temps en temps les cheveux. Mais je on crois. On va voir si ma mère elle remarque que t'as coupé ou pas. Ouais, ouais, ouais. On dit rien. Tu dis rien, on va voir. Bref, on y va et puis bah. Ah oui, d'ailleurs, je voulais te dire, Ayoub, j'étais en train de répondre tout à l'heure aux commentaires. Okay. Et beaucoup m'ont dit de boire des laits végétaux. Des laits végétaux? Ouais. Ah, mais j'ai. Tu sais, genre les drilles, les d'avoine. J'ai déjà goûté quelques trucs amandes, avoine, tu sais, j'ai déjà goûté avoine. Avoine, t'as déjà goûté? D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était bon. Ah, ben je vais. Non, je vois pas du tout quel goût ça a. Après, moi, le lait, je bois pas trop. Je le bois plus avec les céréales, c'est tout. Ouais, oui, c'est vraiment occasionnellement qu'il boit du lait. Hein. Mais voilà, si t'es intolérant au lactose, bah le lait végétal, ouais, ça peut lactose, être. Là, de plus en plus, je. Ouais. Et pourtant, quand je mange des yaourts, tout ça, ça fait rien. C'est vrai, c'est vrai. Hier, j'ai mangé des yaourts le soir. Ouais. Ça a rien fait. Mais la dernière fois, j'ai dû boire même pas un demi-verre de lait. Ah, j'ai souffert. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais sur place, genre quand je l'ai bu le demi-verre, genre même pas une demi-seconde après, je sentais que j'avais mal au ventre. C'est vrai? Ouais, c'était impressionnant. Mais ça t'a jamais fait ça comme ça? Pas comme ça, jamais ça m'a fait comme ça. Non, d'un coup, il a souvent mal le lendemain ou deux heures après, ouais. Ouais. Mais pas d'un coup, ouais. Ouais, là c'était d'un coup ça m'a fait mal et j'ai dit, ah ouais, demain je vais passer une sale journée. Ah mince. Ouais. Bon, si tu veux goûter le lait végétal, t'as aussi du lait végétal. Je vais tester. Mais merci. Ouais. Bon, on y va, on prend la route et puis on vous retrouve un petit peu plus tard. À toutes. Il est l'heure pour moi de terminer le vlog. J'allais vous dire l'heure, mais j'étais absolument pas sur la bonne page. En fait, tout à l'heure, on regardait les pyramides d'Égypte et tout parce que le frère d'Ayoub nous racontait l'histoire du prophète Youssef et donc il nous racontait un peu, voilà, l'histoire des pharaons et tout. Bref, je voulais pas du tout vous dire ça, je voulais juste vous donner l'heure et il est 00h57, donc il est l'heure pour moi de terminer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que bah voilà, vous êtes contents de tous ces vlogs depuis le mois du Ramadan. Voilà, en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié les tournées et c'est la période des vlogs que je préfère. Entre vous et moi, j'aime beaucoup cette période du Ramadan. Bref, je vais arrêter le vlog maintenant parce que là c'est en train de clignoter et ça m'affiche qu'il reste 0 minute. Donc je vais arrêter de parler, j'ai plus de place sur la carte mémoire. Si ce petit vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.